Que dire sur le hautbois? C'est un instrument qui est en ébène, donc c'est un bois qui nous vient d'Afrique et c'est un bois très dur, de couleur particulièrement foncée. Le hautbois est un instrument qui se présente en trois parties que je vais vous présenter. La partie tout en bas qui s'appelle le pavillon. Et au-dessus, nous avons deux parties. Comme ceci, le corps du milieu et le corps du haut. Le hautbois est un instrument assez léger et très pratique à transporter. Ça passe dans un sac à dos. Donc, l'anche de hautbois a la particularité d'être une anche double. Alors, en quelques mots, pourquoi une anche double? Parce que nous avons deux roseaux, c'est la partie jaune que vous avez là, qu'on a relié à travers le fil de couleur rouge, sur un tube. Donc cette partie, c'est la plus importante du hautbois, parce que c'est elle qui va faire le son, c'est l'âme du hautbois. On trouve le hautbois depuis très 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 longtemps. Sous sa forme la plus récente, on va dire que c'est la musique baroque, où il a vraiment pris sa pleine ampleur, je pense à Bach et ses concertos, la musique classique aussi, toute cette période classique avec Mozart, Beethoven, qui nous ont écrit de vraiment des très belles pièces, puis le romantisme, hein, Schumann, qui a écrit vraiment des très très belles pièces pour le hautbois, et puis nous avons également un répertoire moderne, donc le hautbois, il y a toutes les périodes qui sont représentées. On va le retrouver surtout en orchestre, dans le pupitre des vents, et plus précisément la petite harmonie, où il est souvent avec la flûte et la clarinette.